Place ensuite aux courses bien de chez nous avec la Mégane Benelux. Bartide et Mathias Vianne, les frères ennemis, se retrouvent tous deux sur la première ligne. Mathias Vianne qui a réalisé la pole par devant. Id essaie de le passer à droite, puis à gauche. Le départ, une fois de plus, se veut chaud, mais sans encombre. Au sommet du raidillon, les positions sont similaires à celles de la grille, soit dans l'ordre 1 Vianne, 2 Id, 3 Vandermade et 4 Hubert. Rapidement, Vianne et Id prennent les commandes de la course et créent l'écart avec Kees Vandermade. Vianne a pour intention de remporter sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue au Mans. Il fait le forcing et crée à son tour l'écart avec son plus farouche rival quand intervient la safety car. En effet, juste devant les stands de Formule 1, deux Méganes se sont accrochés. Lucerade reste bloqué en travers de la piste. Pour Vianne, tout est à refaire. Un nouveau départ est donc donné. Id, revenu dans les échappements de Vianne, passe celui-ci au comble. L'affrontement se veut musclé. Quelques mètres plus tard, Vianne et Id se touchent. Id perd tout le bénéfice de son attaque et file tout droit dans le bac à gravier. Désormais, Mathias Vianne a course gagnée et s'octroie en plus de la pole le meilleur tour en course en 2 minutes 50 secondes et 824 millièmes. Derrière, on retrouve dans l'ordre Kees Vandermade, Jan Hubert, Philippe Huard et Marnik Vandermazen. Les positions ne changeront plus jusqu'à l'arrivée. Mathias peut enfin savourer les joies de la victoire en Belgique. Voilà qui est de bon augure pour la suite du championnat. Du côté des juniors, on saluera la nouvelle très bonne performance de Jérôme Hennen. Sur le podium, on appréciera le sourire de Mathias Vianne qui peut retrouver à présent la confiance. Et maintenant, c'était une course fantastique. Je prends beaucoup de temps dans le début. Mais là, il y a quelque chose passé dans la bus stop et le safe car était venu. Donc, mais après une tour, le safe car était arrêté. Et c'était prendre beaucoup de place de Bartide. Il s'est gagné et c'est bien pour le championnat, c'est bien pour les points. Et je fais merci à la mécanicien qui fait excellents travaux. Donc, et c'est magnifique.